Il faut donc retenir que les élections sont chronologiquement programmées par la Constitution. Les tenir ou ne pas les tenir ne devrait donc pas relever de la volonté ou non des acteurs politiques, ni dépendre des enjeux politiques. Les élections se posent à tous et contre tout de par la Constitution. Il est donc, à mon sens, hasardeux dans la situation actuelle de l'évolution de notre société politique de lier la tenue des scrutins à la résolution d'une quelconque crise. Je ne voudrais pas engager une sorte de polémique avec vous, mais je voudrais tout simplement que tout ce que nous faisons là est conforme à la loi fondamentale de la République. Il s'agit d'un exercice normal du pouvoir par les souverains primaires. Bien sûr, les contraintes de l'environnement se tiennent dans les délais prévus. Parler de crise, c'est dire que préparer un trouble profond. Bien, je dirais tout simplement pas respecter les délais, principalement sur le plan socio-économique. Toute notre économie à la seule et unique activité. Pas de l'offre et de la demande, à un niveau dont nous n'avons pas le contrôle disponible et de devenir un objectif qu'on a encore atteint. À des difficultés d'accès à la fourniture à l'électricité et à nos contrats et bien sûr d'autres études, notamment nous. On travaille plus que pour les élections, pour les échéances électorales. Tout ce que nous mobilisons comme recette aujourd'hui, c'est des amis pratiquement renvoyés au canal direct. Tous les projets ont été 11 scrutins dans un délai de 5 ans consacrés. Tout en sachant que la période de poste électoral était là, vous voyez, des volants à l'Assemblée nationale. Nous avons sur la députation des listes 15 000 candidats. Il n'y aura que 500 élus qui vont contester cette élection-là. Nous avons 720 plus de 19 000 candidats. Près de 720, voilà le reste des ennemis, des acteurs potentiels de la violence, comme ennemis la série, qui sont comme ennemis le pouvoir qui a triché. Donc, comme en Afrique et partout, ainsi de suite, le potentiel, c'est qu'il ne va pas marcher pour la formation. Alors, je vous dispense de tous ceux qui essayent de décrire dans les domaines militaires, dans les domaines politiques, ce qui n'a pas marché. Je préfère attirer votre attention sur le vrai problème, 500 sièges au niveau de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale, là pour à peine 700 sièges dans l'Assemblée professionnelle. Et ça, vous serez la question problème. Alternance. D'abord, le profil de ceux qui sont éligibles est déterminé dans la loi électorale. Ça, c'est le profil mécanique, juridique, et aussi le profil politique. Avant de choisir le candidat du FCC, il y a eu tout un processus. Le processus, ça a été la mise en place d'un comité de stratégie qui a élaboré la charte de FCC. Et dans la charte de FCC, il est dit que tous les membres signataires de cette charte vont soutenir un seul candidat à l'élection présidentielle de décembre 2018. Alors, il y a eu un mécanisme de centralisme démocratique, c'est-à-dire de débats, de consultations au niveau de la base, au niveau des différents regroupements de membres du FCC, et ça conduit à ces résultats. Donc, si vous regardez bien, il y a des manifestations qui sont organisées partout. Il y a des membres de FCC qui ont déjà fait des déclarations pour dire que c'était leur candidat qui répondait justement au profil
et à l'alternance souhaitée. Parce que quelqu'un m'a dit quel est le type d'alternance que moi je souhaitais. Et au niveau du FCC, il souhaitait que ce soit une alternance démocratique. Et moi, je reviens sur l'alternance, professeur. Je voulais dire, est-ce que vous croyez que cette alternance du 23 décembre, que vous souhaitez que ce soit des forces, emmènera-t-il un changement république démocratique du Congo? Que ce soit de force, est-ce que ça emmènera un changement république démocratique du Congo? Quand on parle d'alternance, quelle que soit la nature, il y a changement. Mais c'est un changement qui est encadré, qui est suivi, qui est rationalisé et qui est contrôlé. C'est ça la différence avec la révolution. Il ne faut pas confondre alternance et révolution. Tous ceux, dans le cadre de l'alternance, il y a toujours un consensus sur le minimum, sur des valeurs, sur le projet de société, sur ce que la société elle-même aimerait voir se réaliser. Donc, l'alternance démocratique est une situation. À cette question-là, et je crois avoir déjà répondu, la question de fond était est-ce que c'est le candidat de tous les membres signataires de la charte de FCC? Je vous dis oui. C'est même le candidat de la plupart de toutes les provinces de la République. Parce que vous aurez constaté que le candidat du FCC est reçu par les grands ensembles régionaux et politiques de notre pays et que les membres de l'UFCC ont déjà fait des déclarations pour cette candidature. Voilà tout ce que je peux dire. Si vous professeur Nalingala, oui. Baninga va organiser forum au lobby na Solola, na l'exposé d'Angai, na Makambo, au Vitali, changement. Changement dans le cannabis. Changement, il y a un bateau qui peut diriger le cannabis. Il y a un autre solide dans le lobby. Changement, c'est la révolution. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes d'accord que le pays, il faut être la unie. Peuple congolais, n'est-ce pas? C'est la malam. Tolingi, papaya, va imposer Bissot, loi n'a pas goûté. Le Congo est à la boca, la macassi, où il va se respecter dans le continent Nyons. Tout ça d'accord n'a pas valeur. Donc, où il y a à respecter, il y a le Kouana jusqu'au bout. Mais à cause de la Moussanaye, pour le peuple congolais, à Bonga, pour Mboka et Kendelibos. Il y a un changement total. Changement où il y a un changement pacifique, passation pacifique. C'est ce qui nous intéresse. Merci beaucoup, professeur. Ici, on a fait l'évaluation de la situation politique. J'ai examiné encore la situation humanitaire et judiciaire pour les gens qui sont concernés par la perturbation des droits humains. C'est ça, la connaissance de la résolution, même si elle pêche par la normalité. Donc j'ai surfé sur cette résolution pour présenter la nécessité qui nous gouverne aujourd'hui pour absolument faire partie de ces troupes de la résolution. Parce que sur l'estime qu'il a RDC aujourd'hui, la deuxième puissance militaire d'Afrique, il n'a pas besoin d'être encombré ou s'encombré des troupes armées. Viol des civils, la perturbation humanitaire, le trafic, tout le monde, et par conséquent, leur présence ici n'est plus nécessaire. Ce n'est pas par patriotisme simple, c'est par équité, par sens de la justice. On ne peut pas avoir chez soi des gens qui commettent des crimes, des médias, sans raison. C'était ça, en fait, la substance de nos Monsieur Manjolo, s'il vous plaît.